des longues files d'attente, des attroupements ici et dans les carrefours de la capitale gabonaise. C'est l'absence des taxis qui sévit depuis plusieurs jours dans la ville. Une absence consécutive à l'opération diligentée par la municipalité suite au règlement des fonds de recouvrement. Une situation qui affecte non seulement les usagers de la route, mais les transporteurs également, qui voient en cela un important manque à gagner. Le problème qui se passe, c'est que depuis lundi, nous on est bloqués ici, on n'arrive pas à travailler parce qu'on demande à ce qu'on colle les numéros. Bon, il y a même certains qui ont eu les numéros, qu'on a attribué lesquels les numéros, mais pourtant quand ils veulent aller travailler, la mairie nous bloque encore, leur bloque dehors là-bas pour leur demander qu'ils ne peuvent pas travailler tant qu'il n'y a pas l'autocollant. Donc voilà pourquoi vous voyez l'attroupement des taxis là, il y a des autres qui sont là aussi pour faire l'expertise. Donc nous on est là depuis hier là, c'est pour coller les numéros. Vous êtes là depuis quelle heure? Je suis là depuis 5h30, que c'est maintenant qu'on nous a reçus, ils nous ont déposé les numéros comme vous voyez là. On attend le colleur, celui qui est en train de coller là, après quand il finit le coller, on peut partir aller travailler, on est libre. Il est certes dans les droits de la mairie de rentrer dans ses fonds par le recouvrement de la taxe. Seulement, faute de communication, l'institution n'a pas songé aux désagréments qu'il cause aux usagers, aux employeurs, bref, à l'État. Tout ça ne mérite-t-il pas une réflexion profonde pour mieux organiser ce secteur afin que ce type de désagrément soit minimisé à la longue ?